Dès que vous rencontrez cet animal, fuyez, il est très dangereux. On avait parlé dernièrement du moustique et aussi du requin blanc et aussi du crocodile marin. Cette fois-ci, cet animal-là, il est très dangereux, faudrait surtout pas le rencontrer. Eh bien, cet animal, c'est qui? Eh bien, cet animal, c'est l'hippopotamus amphibius. C'est le nom scientifique de l'hippopotame. En quoi est-ce que cet animal est dangereux? En quoi est-ce qu'il est redoutable? En quoi est-ce qu'on ne doit jamais rencontrer sa route? On va donner les détails. Les hippopotames sont classés parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique. Leur agressivité est souvent associée à leur territorialité, en particulier pendant la saison de reproduction lorsque le mâle cherche à établir sa dominance. Malgré leur apparence placide lorsqu'ils se trouvent dans l'eau, les hippopotames peuvent être extrêmement agressifs, en particulier s'ils se sentent menacés ou s'ils perçoivent une intrusion dans leur territoire. Quelles sont les attaques des hippopotames? Comment est-ce qu'ils attaquent? Il faut savoir que les attaques d'hippopotames sont généralement rapides et violentes. Lorsqu'ils se sentent menacés, les hippopotames peuvent charger à une vitesse surprenante atteignant jusqu'à 30 km par heure sur terre. Les défenses incluent de grandes canines pouvant mesurer jusqu'à 50 cm de long, ainsi qu'une mâchoire puissante capable de broyer les os. Les attaques peuvent être mortelles pour les humains et d'autres animaux, et même les véhicules peuvent être endommagés par leur force, un peu comme le crocodile qui a la capacité de broyer les véhicules. Il faut savoir aussi que les hippopotames sont territoriaux et défendent leur territoire agressivement contre les intrus. Les mâles en particulier établissent des territoires le long des cours d'eau et des lacs et défendent ces zones contre d'autres mâles ainsi que contre les prédateurs potentiels. Les femelles et les jeunes hippopotames sont également protégé par le mâle dominant de la zone. En raison de la pression exercée par l'homme sur l'habitat des hippopotames, les hippopotames sont confrontés à des menaces telles que la perte d'habitat, la chasse illégale et les conflits entre les populations locales. Bien que les hippopotames ne soient pas actuellement classés comme espèces en danger d'extinction, la conservation reste une préoccupation en raison de la diminution de leur population dans certaines régions. Faites gaffe à l'hippopotame. Il faut savoir aussi que ce sont des animaux qu'on doit protéger. On doit penser toujours à cela. Portez-vous bien. Faites-le plein de savoir. Et ne rencontrez jamais cet animal. Sinon, vous risquez de laisser votre peau. Peace out.